l'armée française. Bonne excuse, mon homme. Tais-toi, femme. Qu'est-ce que je disais? Que vous buviez aux armées françaises. Ah oui. Au fait, où donc est-il notre Galoubet? Où est-il? Tu le demandes, Simon, où est-il? Le poltron. Le planqué, au fond d'une grange, sans doute. Terrorisé qu'on le déniche et qu'on l'enrôle de force dans les armées de l'empereur. Ce sera un lâche, Anselme, je crois pas, moi. C'est un lâche, Aubin, je te le dis, moi. Non, mon oncle, on ne peut pas dire que notre Galoubet soit un lâche. Tenez, souvenez-vous du jour où le presbytère du pré Gilbert a brûlé. Il s'est conduit comme un brave enfant. Sans lui, la nièce du curé aurait flambé comme un feu de paille. Et quand Lyon a débordé au-dessous de Bazarne. Tu as donc bien peur de partir à la guerre? Bon, si je savais où me cacher dans les bois, je quitterais la ferme. Mais non, tu ne la quitterais pas. Tu sais très bien pourquoi. Au moins, avec moi, ne te fais pas passer pour peureux alors que je sais très bien que tu es brave. En fait, si tu ne veux pas partir à la guerre, c'est que Mionette et toi, vous avez agi comme deux enfants.